Eh bien bonsoir à tous et bienvenue aujourd'hui pour un nouvel épisode des Mystery Box sur Scrap Mécanique. Je sais que vous l'attendiez cet épisode, oh oui je le sais, je mets des petits cœurs sur vos commentaires, je les lis tous. Ça a changé Scrap Mécanique, à chaque fois que je le lance j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a changé. En fait il n'y a rien qui a changé je crois. Comme d'hab les gars les filles, je compte sur vous pour laisser le petit like sur la vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me dire si vous voulez en voir plus. Et je voulais également faire une spéciale dédicace aux 8 personnes qui partagent mes vidéos régulièrement. Ouais ça fait pas beaucoup vite quand même. Mais bon au moins vous êtes là et c'est grâce à vous si de nouvelles personnes découvrent la chaîne au fil du temps. Par contre ça va pas du tout. C'est tout le temps les mêmes 8 personnes qui partagent mes vidéos. Donc déjà cœur sur vous, ça me fait extrêmement plaisir. Voilà donc si jamais vous voulez rejoindre l'énorme communauté peu nombreuse des gens qui partagent mes vidéos, et ben n'hésitez pas à laisser un petit partage. Et puis vous aussi vous apparaîtrez sur ce magnifique graphique. Autre petite information pendant que je visite la map. Oui je sais cette intro est extrêmement longue, mais il faut tout que vous sachiez. Si vous aussi vous voulez m'envoyer pour un prochain épisode vos mystery box, vos maps à visiter, vos constructions, vos maisons volantes. Et bien surtout, n'oubliez pas de renommer vos constructions dans le workshop pour que je puisse les retrouver plus facilement. Je vous mets un petit screenshot qui s'affiche actuellement à l'écran. Vous mettez pause. Et bien sûr, n'oubliez pas d'aller acheter vos jeux moins chers sur le petit lien G2A qui se trouve dans la description. Ouh, mais on va se mettre ici, c'est super joli. Je savais pas qu'il y avait de l'eau maintenant en créatif. Aujourd'hui, j'ai sélectionné pour votre plus grand plaisir ainsi que le mien les dernières mystery box que l'on m'a envoyées via le workshop. Non, pas ça. Ça, c'est ma grand-mère volante. Voilà! Si vous la voyez passer durant la vidéo, faites un vœu. C'est un petit peu comme une étoile filante. Voilà, peut-être qu'elle repassera un jour, on ne sait pas. Bien, bah d'ailleurs, on va en envoyer une autre. Hop là, c'est parti. Ouais, elle est partie comme une flèche, celle-là. Ça va faire des combats de grand-mère volante, mon gars. Ça va être la guerre, les mecs. Oui, bien fini les conneries, les mecs. On passe tout de suite au Mystery Box. La première qui est une géante Mystery Box jolate de Val Dupney. Et qui nous dit... qui nous dit rien, mon vieux. Il nous dit de la construire et puis c'est tout, hein. Et malheureusement, on ne peut pas la construire, Val Dupney. La forme n'a pas pu être construite. Pourquoi? Je ne sais guère. Certainement parce que il me manque un mode. C'est dommage. La prochaine fois, Val Dupney, je t'invite à mettre une petite description pour me dire quel mode il faut télécharger pour ta Mystery Box. Ah, la deuxième de Team Eoxa, créateur Titi65. Salut, Jolotte. Voici ma Mystery Box. Alors, pour faire une bonne ouverture de boîte, un, quand tu ouvres la Mystery Box, sans la casser, laisse-la s'ouvrir. 2. Retire les blocs qui relient le véhicule à la boîte. 3. Mets le véhicule de côté et supprime la boîte. 4. Vas-y mollo avec le bouton 2. Continue les vidéos, je t'adore. PS, c'est toi qui m'as lancé sur Scrap Mécanique et je t'en remercie. Je te dis un truc, ne casse pas le véhicule. Et si tu es avec cochon, dis-lui car je l'ai à l'œil le cochon. Bon, continue comme ça. Bye, bye. Merci beaucoup, Titi65. On va tout de suite construire ta Mystery Box. Oh putain mon gars, j'ai bugué pendant 2 secondes, là je me suis dit elle est passée où. Waouh. Alors attendez, parce que ça c'est le genre de truc, je sens que je vais le poser par terre, il y a mon PC qui va cracher. On va faire le tour déjà, avec des petites bottines, des petits canards sur le côté. C'est rose pimpant, c'est joli, c'est printanier, c'est chatoyant, c'est tout ce qu'on veut. On va la poser, c'est parti. Oh ça va, non j'ai cru que ça allait faire cracher le PC, mais oh j'ai vu une étoile filante. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Envole-toi, vite faites un vœu les mecs. Envole-toi. Faut que j'arrête mon vieux. Je rigole vraiment pour rien, je vous jure. C'est où qu'on ouvre ta Mystery Box? Ah bah ça doit être là. Attention, c'est parti. Envole-toi, fais gagner ma map. Envole-toi et vas-y, fais bien cracher mon jeu. Elle est partie comme une étoile filante aussi. Oh, il y a une petite grand-mère là-bas qui essaye de se débarbouiller du filet. Je ne sais pas ce qu'elle fout. Oh putain. Oh la vache. Ça y est les mecs, ça vole dans tous les sens. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est énorme. Ne serait-ce pas une tourelle automatique des enfers? Oh, je crois bien que si. Attends, c'est quoi? Ça c'est le bouton 1. Il m'a dit mollo sur le bouton 2. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Ah oui, mollo sur le bouton 2. Mollo, mollo sur le bouton 2. Oh putain, je vais faire cracher mon jeu les mecs. Tu vas faire cracher mon jeu. D'accord, bon, je pense que avec ça, j'étais censé m'envoler. Ah, mais il vole un petit peu, hein. Il s'envole très légèrement. Si j'appuie sur la touche 1, je le propulse dans les airs. Et à 380, vous n'êtes pas encore à la moitié de l'accélération. Ah ouais, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Il est magnifique. Il est vraiment de toute beauté. Je pense que nous allons tous pleurer dans les commentaires suite à cette construction, quoi. Ah, et nous passons sur la Mystery Box de J. Mercier. Alors, J. Jonathan Mercier, Jean-Jacques Mercier, Jean-Jean Mercier. JJ, salut Jolat. Voilà une Mystery Box car tu es mon deuxième YouTuber préféré. Et ça fait plaisir. Mais non, je rigole, tu es mon YouTuber préféré. Attention à l'ouverture, à toi de voir le reste. Oh, quelle belle petite boîte mystérieuse. J'aime beaucoup le packaging. Très simple, très soft, très sommaire, mais efficace. On appuie sur le bouton.
Oula, c'est un peu bugué, mais par contre, j'ai vu le principe. Ah non, mais non, c'est énorme, c'est énorme. Je pense que ta construction a bugué. On va la reposer. Alors, ça fait quoi si j'appuie sur le bouton? Ah ouais. Mais c'est totalement ingénieux. Et ça avance. Envole-toi. Regardez, quand il y a Luffy et Sofiane qui vont me chercher sur toute la map, ils vont me faire ouh, t'es où? Bon, il y a ma grosse tête qui dépasse, mais. Et là, si je fais hop là, coucou, vous ne me voyez plus. En plus, je peux avancer genre comme ça. J'avance comme ça, je vais les troller et tout. Oh là là, mais c'est. C'est énorme quoi. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais mention très spéciale. Elle est vraiment énorme. C'est vraiment très très bien pensé. Écoute Gigi Mercier, franchement, elle est terrible ta Mystery Box. Vraiment. Ah, voilà une belle Mystery Box de Misto Gaming. Salut mon cochon, j'ai le plaisir de te faire une Mystery Box. PS, enlève les blocs roses et noirs. On passe déjà sur un autre level là. Vous voyez là, je commence déjà à laguer là. Mais quelque chose de mignon. Ouais. C'est rouge, c'est bordeaux, c'est pourpre un peu, c'est joli. C'est. Oh là, je la pose par terre. Oh, ça lag. Ça lag, Mr. Gaming. Un interrupteur à l'intérieur. Franchement, elle était pas mal, elle était très enjaillante ta petite musique, j'aime beaucoup pour l'originalité, je te mettrai un 9,5 sur 10 déjà. Alors ça lagouille un chouïa, je ne sais pas ce qui fait lagouiller comme ça, est-ce que c'est mes petites mamies qui sont dans les airs? Très certainement, en tout cas, ta petite bécane du turfu, elle est magnifique. Là mon PC il est en train de fumer, il est en train de me dire s'il te plaît, arrête. Le 2 c'est quoi? Oh, je viens de voir une étoile filante passer, une ombre, j'ai vu une ombre passer. Vous voyez, il y a un satellite qui a dû passer au-dessus de nous, là. Ok, le 2, c'est le klaxon, tout simplement. Ah, bah, vous voyez, il respire le PC, là, mon vieux, là. Ça y est, c'est redevenu fluide. Bah, tu m'étonnes. Envolez-vous. Oui, j'en ai rajouté 2-3. Tu vois, bah, tranquille. Ouh, et voilà une mystery box bien mystérieuse de la part d'Idriss3456. Salut, Jolat, c'est Idriss, j'espère que tu vas bien. À l'intérieur de cette boîte, tu appuieras sur 1. GG, Jolat, t'es le meilleur PS, j'ai copié une mystery box. Ouh, le vilain! J'ai vu un satellite. Ça lagouille un petit peu quand même, hein? Allez, j'arrête mes conneries, les mecs. Je saute. Alors, on en était à Idriss. Que nous as-tu fait? Ouh, c'est joli. C'est très joli. Il y a un soin spécial apporté au packaging. J'aime beaucoup. Écoutez, on va appuyer sur ce petit bouton. Ça va tout ouvrir. Et on va trouver un tank des enfers à l'intérieur. Génial. C'est d'histoire. Putain, comment qu'il est maniable, mon gars. Il est tellement maniable. Il est trop bien. Donc, le bouton 1, c'est quoi? C'est pour refermer le capot. Il y a toujours ma grosse tête qui dépasse. Le 2, c'est quoi? Oh, excellent. Le 3, c'est pour abaisser le canon. D'accord, le 4, j'espère qu'il tire au moins. Bon, il klaxonne, c'est déjà pas mal. Le 5, il tire. Ah non, il allume les phares. Ok, d'accord. Franchement, il est très joli. J'adore avec le style, les chenilles et tout, les petites pancartes sur les côtés. Il est vraiment très, très joli. Par contre, il est très, très lourd quand même. Hein. Voilà, avec les blocs en métal et tout. Bon, il est très lourd dans les deux sens. Hein. Non, vraiment, super Idriss. Magnifique. Et l'histoire, l'histoire des mamies. Un matin, ma grand-mère est dans le ciel. Et puis toute la vie s'émerveille. Un guérillateur, choisi par empereur, ne tarde pas. Oh putain, il est magnifique ce rocher là-haut. J'aurais dû les faire décoller de là-haut. Ouhou, une mystery box de Pollute officielle. Très mystérieuse cette boîte. Mystery box pour Jolat 2021 News. Bah lui, il a tout compris. Bon. Même avant que je lui dise. Pas de description, très mystérieux. On va tout de suite la construire. Pas de notice d'utilisation. Par contre, mon cochon, ça lag. Hein. Ouh. On a un interrupteur, d'accord, certainement un ascenseur, une porte ici, sans interrupteur, un petit cochon dessiné, un petit pouce bleu, un J, un point d'interrogation, c'est Pikachu ça? Ou non, j'aurais bien dit que c'était le 5 Rabi ça, mais bon, je ne suis sûr de rien. Le petit logo YouTube, un petit cœur, franchement, magnifique. Écoutez, on va monter sur cette jolie plateforme, on va appuyer sur le bouton.
qui va nous emmener en haut, c'était sûr. Un petit canari, j'adore, c'est magnifique. On a un interrupteur ici, on appuie dessus, c'est parti. Oh, ça s'ouvre très tout doucement, ça a l'air tellement mystérieux, mais que va-t-on trouver à l'intérieur? Des toilettes. GG, les petites toilettes, j'adore. Je peux même inviter un petit copain ou une petite copine en face, là, franchement, on va être bien. Oh là là, et ça déchire, vraiment. Mais quelle créativité de malade, quoi. Une mention spéciale quand même pour ce joli canari. Ah, mais attends, il m'a dit enlever les blocs noirs et jaunes, je crois. Hein. Pas de description, très mystérieux. On va tout de suite la construire. Oh, oui, 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 oui. Oh là là, ah bah, je sais ce qui fait laguer. C'est tous les petits canaris qui sont là. T'as marqué Jola, ton petit canari. Eh, franchement, c'est magnifique. Qu'est-ce que ça fait si j'appuie dessus? Eh ben, ça fait tourner les canaris, mon gars. Et ça, c'est franchement magnifique. Bah, tu m'étonnes que ça lague. Mon cochon. Bon, eh bien, écoute, Polito officiel, nous allons tout de même tester ton véhicule qui m'a l'air, ma foi, plutôt très créatif. Avec un bouton. Oh, putain. Oh, la... Vache, mon gars. Ah ouais, j'avais pas vu la map comme ça, moi, en fait. Elle est grande, hein. Je vais atterrir en bas avant le véhicule. On va peut-être voir passer des petites grand-mères. S'il y en a une qui passe devant nous comme ça. Comme une fusée, là. Tiens, il y en a une là-bas. Regardez. Elle vole. Vache, mon vieux. Magnifique. Magnifique, magnifique. Vraiment. Ouh, une mystery box de l'Odena 66 qui n'a pas de description. On va tout de suite la construire. Attention, c'est parti. Ouh, la vache. Elle m'a l'air énorme. Elle lag pas. Écoutez, elle est très simple, elle est très jolie, elle est rose. Ça me plaît, c'est pimpant, c'est chaleureux, c'est chatoyant, c'est printanier. On va l'ouvrir. Oh, ça. Quelle est cette chétanerie, quoi? C'est l'histoire. L'histoire de la vie. Je vais juste faire cracher mon jeu avec ça. Putain, mon vieux. Je m'en vais dans une autre galaxie. Bah, par contre, tu te calmes. Tu te calmes. Tu t'arrêtes. Je descends de là. Regardez, elle continue de tourner, la toupie. Une mystery box de SOD763. Bonjour, Jolotte. Mystery box en vert. Bouton vert, ouvrir la box. Bouton rouge, ferme la box. Véhicule pour le combat. Trois boutons surprise. Je pense que ce véhicule va te plaire cordialement. SODPS, continue comme ça, tu es super. Merci beaucoup SOD, ça me fait super plaisir. Et merci pour ta participation au Mystery Box. Eh ben mon vieux, toi t'as mis le paquet sur le packaging, hein. Oh, ça rebondit à mon avis avec la suspension, oui. Non seulement ça rebondit, mais ça lag surtout, hein, SOD, hein. Ça lag, hein. Puis si tu m'as fait une boîte comme ça, mais que tu m'as renfermé un cornichon à l'intérieur, ça valait pas le coup, hein. J'espère qu'il y a un truc de ouf dedans. Doucement, doucement, ça va bien se passer. T'en as connu des pires que ça, non? Bon, SOD, j'ai sorti les grands moyens pour présenter ta mystery box, hein. Il a fallu que je me foute sur un terrain plat. Et encore, même sur un terrain plat, je sais même pas si mon PC il va suivre. Là, je suis sûr de rien pour le coup, tu vois. Attends. Bah, pff, bah, même sur un terrain plat, gros. Attends, encore, faut que j'arrive à l'ouvrir. Là, oh putain. Oh la vache. Oh la vache. Oh la vache, mon gars. Elle s'ouvre, elle se referme, elle fait des pranks, ta boîte, hein. Attends, il y a tout ça pour ça? Elle t'aurait pu me faire une boîte plus petite, hein. Putain, mon gars. C'est même pas ta boîte qui lag, c'est le véhicule. Ah bah, clairement. Ah si, c'est quand même un peu la boîte aussi, hein. Y a un petit peu tout qui lag chez SOD. Enfin, plutôt chez moi, pour le coup. À cause de SOD. Allez, on va tester ça, quand même. Ah bah, mon vieux, c'était quelque chose, hein, pour le sortir, hein. Eh, j'espère que c'est un truc de ouf. Ah, c'est très sympa. Quand tu tournes, il y a les réacteurs qui se mettent à droite ou à gauche. Ça, déjà, c'est très, très, très sympa. Vraiment. Bouton 1. Ce truc de ouf. Bouton 2. C'est quoi le bouton 2? Le bouton 2 allume un truc, ça fait un espèce de bruit. Bouton 3. Oh là là, oh là là. Bon, c'est vrai que ça lague un petit peu, un peu beaucoup, mais sinon, c'est vraiment sympa. Nvidia, si vous nous regardez, n'hésitez pas à m'envoyer des RTX, GTX, Titan, tout ce que tu veux et tout le bordel. Ça va, mon kiki? Ça va aller? Oui? Oui, papa, il est là. Papa, il va te refroidir, ça va. Ça va aller, il est parti à sonner. Il est parti, c'est bon. J'espère. Jusqu'à la prochaine. Ah, et bien voilà une prochaine boîte de Gazbox 05. Salut Jolotte, voici ma toute première mystery box pour toi. Les cochons sont bien sûr. Pour plus de fun, évite de mettre dans ta main l'outil pour les collectifs. Parfait, il te faut les modes The Modpack et The Modpack Legacy. Normalement je les ai. J'espère qu'elle te plaira et que tu vas prendre du fun. Attention, il y a deux boutons. Choisis bien entre les deux, tu pourras toujours la faire apparaître si tu te trompes. Pour le véhicule à l'intérieur, on a des blocs jaunes et noirs qui me séparent et supprime la boîte pour éviter les lags. J'aime beaucoup cette notice d'utilisation. J'adore tes vidéos, continue, je t'adore et à très bientôt. Merci beaucoup Yasmog 05. Ouh, oui, effectivement, j'ai les modes Legacy. Like, merci. OK, ah c'est très stylé. G2A 2021, voilà, donc c'est une mystery box à nouvelle génération. De toute façon, toutes les mystery box qu'on présente là, on ne les a jamais vues sur la chaîne puisque j'ai pris les plus récentes, hein. Ah, c'est très sympa, c'est quoi, c'est une énigme? Ah, je crois qu'il y a marqué Yasmog, ok, Yasmog 05. Deux interrupteurs, un rouge.
Bon, voilà, ok, c'était c'était sur celui qu'il fallait pas appuyer. Bravo! Putain, tu vas devoir me faire recharger la map! Bon, c'est pas grave, on va laisser la boîte à Yasmog voler. Écoutez, on va la recharger. Voilà, en espérant que ça lag pas trop. Donc, c'était pas le bouton rouge, les mecs. Regardez comment qu'elle est magnifique, sa boîte est en train de voler là-bas. Ah, yes! Oh là là, oh! C'est petit. Oh! C'est magnifique. Regardez, elle est en train de faire la toupie bébelette, sa boîte là-bas. Elle est magnifique. On va virer la boîte avant que ça lag. Ouais, parce qu'il y en a déjà une qui est dans les airs. Tu vois, donc c'est... D'ailleurs, je sais pas où elle est. Elle est peut-être quelque part en train de voler. Si vous la voyez, des fois, bah, faites un vœu. Voilà, je ne sais pas. Ah bah, voilà, faites un vœu, elle est là-bas. Elle est coincée. Ok, d'accord. Sympa, Yasmog. Je vais tout de suite m'asseoir avant d'appuyer sur les boutons. Déjà, je regarde un petit peu. C'est très sympa. Alors, oh là, il y en a des boutons. Hein. Très, très sympa. Et en plus, fonctionnel. Fonctionnel, oui, non. Mais, bah, si. Très, très directionnel. Oh là 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 là. C'est dur. Hein. C'est très dur. Hein. C'est très, très dur. Mais on y arrive. C'est une épreuve. Mais voilà. Je me rapproche de ta boîte au moins. C'est très... Attends, non, vieille. Bon, salut. Allez, à plus. Ah, il arrive, les mecs. Il arrive, je veux le réceptionner. Je l'ai. Ça va, c'est correct, tu vois, c'est... Voilà. Faut avoir du skill pour conduire son véhicule quand même, hein. Ouais. Il y a sa boîte qui est coincée là-bas. On va tenter d'aller la chercher avec son hélicoptère des enfers. C'est... Ouais. Faut avoir un peu de skill pour le conduire. Très sympa. Il y a ta boîte qui est là-bas. Continue de tourner, voilà. Et je pense qu'elle va tourner jusqu'à la fin de cette vidéo, de toute façon. Ouais, bien, les mecs, je pense qu'on va se laisser sur la Mystery Box de Yasmog05, qui est en train de tournoyer dans les airs. Elle est vraiment magnifique. En tout cas, si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser le petit like. Ça me ferait extrêmement plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, bien entendu. Si vous avez kiffé, vous pouvez partager la vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Ciao tout le monde! Envole-toi, ma petite grand-mère. Va voir Yasmog.